pla, mega fardigna, oplo plo, mega fardigna, on se retrouve pour un tuto, tuto, tuto. Oui, yo tout le monde, aujourd'hui on va faire un plan de jeu, donc une pre-sky sur Cable. Donc comment bien prendre le sky sur Cable, que ce soit solo ou à deux, je vais vous montrer solo et à deux. Donc ça nécessite d'avoir full stuff, donc une HE, une flash, une smoke, une molo, si on est solo. Et si on est à deux, bah une molo, puis ça suffit. Voilà, si on est deux, deux molos, si on est solo, il nous faut full stuff, ok. Donc ça va partir comment? Ça va partir déjà, on est là tranquillou, on saute, on voit si les mecs se sont boostés, pas boostés, donc on les voit pas. Sachez que vous pouvez vous mettre ici, à ce pilier là, et vous attendez, le mec quand il se booste, vous allez le voir. Vous êtes là-bas là et il va checker ici comme ça et vous êtes en ligne cassée sur lui. Et voilà, donc vous contrôlez votre sky tranquillou ici, voir si ça s'est boosté ou pas. Vous savez très bien que ça s'est pas boosté. Vous mettez quand même un petit coup de saut pour savoir si le mec est. Voilà, vous préchotez tranquillou. Les mecs on smoke le sky, re-smoke le sky. Maintenant vous savez qu'il a plus beaucoup de stuff, donc à 1 minute, 50 secondes, vous prenez votre sky. Comment ça va se passer maintenant? Ça va se passer en. On vient se bloquer ici contre le Chuen Chuen là. La tache noire ici. En slow, on avance, on jette. Juste un petit pas en slow. En slow, on avance, on jette. Voilà, la molo va popper tout en haut du sky. Et surtout, le mec va pas pouvoir s'avancer, voyez, et prendre l'info ici en ligne cassée comme ça. Et vous allez l'entendre reculer et il pourra pas repique ici. Il brûle dans toute cette zone. Voilà. Et il peut pas être là en dessous non plus. Il brûle, il peut pas être là. Il peut être que dessous ou à droite. Donc maintenant on met une HE dessous. On vient checker comme ça. D'accord, sachez que quand vous venez checker sur la droite comme ça, le mec ne vous voit pas ici. Et le mec ne vous voit pas ici non plus. D'accord. Donc on met une HE pour checker le mec en dessous. D'accord, il n'y a rien. Maintenant le seul danger, c'est la droite ici. Donc là on vient se bloquer contre le mur. Il y a ce trait noir et on met la flash. Donc je vous montre la HE. Voilà, elle pète instantanément à cette hauteur pour le mec blanc là et le mec blanc ici. Donc cette flash n'est pas du tout efficace si vous voulez prendre le sky comme ça. D'accord, parce qu'en fait le mec la voit rebondir là et faire tout le bordel. Donc c'est pas une flash pour prendre le sky. Parce que le mec s'il est là, il la voit arriver, il se retourne, elle pop et là il vous tue. Là on a dézoné toute cette zone. Donc le but de cette flash c'est uniquement de flash le mec qui est vraiment ici comme ça. Et ici comme ça. D'accord. Donc c'est uniquement dans ce but là. Sinon pour flasher ce mec là etc, en général c'est des flash instant de très loin qu'il faut mettre. Là comme ça, viser le panneau exit là en haut en courant. Voilà, comme ça, ce genre de choses. Donc on met la flash à rebond et on tombe sky. Voilà, tout simplement sur la flash. On tombe sky comme ça. Là la smoke, là la molo va se dissiper. Maintenant vous avez deux choix. Soit vous smokez à gauche et vous attendez le mec à droite, etc. Vous tapez. Soit vous smokez à droite ici et vous allez taper les mecs à gauche, etc. etc. Soit soit vous visez les deux petits points ici. Vous smokez. D'accord. Ça va vous bloquer cette zone là et vous accélérer sur une split A ou sur une split B aussi, parce que ça bloque les deux visions. Voilà, donc après votre smoke c'est selon le plan de jeu que vous avez avec votre équipe, avec vos coéquipiers, ce que vous avez en tête. Si vous voyez que le mec est souvent sur la droite, souvent sur la gauche, que vous avez des préférences à aller en B, en A. Donc voilà, la smoke vous en faites un petit peu ce que vous voulez. En tout cas voilà, pour la pre-sky solo, si vous utilisez bien vos stuff, ça donne ça. Et si vous êtes à deux, tout simplement, un qui vient se bloquer à gauche ici, d'accord. Il met pas la molo comme on a dit. Non, pardon, il met la même molo, celle du haut. Et votre pote vient là à droite, sous le lampadaire, il met celle-là de
follow, ok. Voilà, et là vous brûlez absolument toutes les zones. Il reste que à pré-shot la droite ici et là. Voilà. Là vous avez tout, vous avez votre pote qui descend. Voilà, vous vous restez en haut, vous lui gardez le bécourt parce que lui il garde la window. Hein, voilà, il est en bas comme ça, il garde la window. Ou le contraire, c'est à vous de voir. Donc voilà, tout simplement les deux molos parfaites, c'est la tache noire, on avance, on jette. Ici, le lampadaire en bas, on jette. Voilà, et après on pré-shot bien évidemment à la droite. Et si vous voulez vraiment, ben, vous mettez la flash de tout à l'heure. Vous décalez. Et après, smoke, pas smoke, c'est à vous d'orienter votre jeu. Donc soit cette smoke, soit cette smoke, soit cette smoke. Voilà. Bisous mes cafardinos. Je vous aime d'amour. Ciao.